Alors, bonjour à tous, nous voici dans Custom Hero Survival, je crois que c'est ça. Map que j'apprécie particulièrement, c'est pour ça qu'on va y jouer aujourd'hui. Et je pense que je vais faire une série de vidéos sur cette map, parce que voilà, elle me plaît, elle me plaît. Alors, donc en fait, au début, donc, comme vous voyez, vous choisissez un héros, après vous êtes dans une petite case là, où d'ailleurs les angles ils sont bloqués de cette manière-là. Bref, alors voyons voir ce qui m'intéresse. Alors, quand elle joue un sort et un wisp. Ah oui, un wisp. Attends. Quand elle fait un sort. Ah ouais, donc il y a plusieurs wisps. Ça va soigner. Donc ça va soigner les gens autour de la sorcière. Et le soin, il est égal à l'intelligence de la sorcière fois 1,3. Ok. Ok. Alors. Voyons voir un peu ce que j'ai. Moi, ce que j'aimerais acheter, ça, c'est un petit objet. Donc, ça me donne 10 bonus par kill. Ok. 10 d'or. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. 1, 2, 3. Et je vais. Merde, j'ai pas eu le temps. Putain. En fait, là, ce que je fais, c'est le pillage. J'espère que je vais pas me faire buter. C'est le pillage. Ça veut dire, regarde, à chaque fois que je bute un mec, ça me file 24 gold en plus. C'est pas mal au début. Attends, donc là, mais là, je suis soigné, mais je comprends pas pourquoi. Ces petits wisps là, ils me soignent, ouais, j'ai l'impression. Attends, est-ce que à chaque fois que j'attaque, c'est considéré comme un soin? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il se passe un truc là. Attends. C'est bizarre. Alors, c'est l'intelligence fois 1,3. Ok. Bon, bah écoutez. Je sais pas. Alors, moi, je vais essayer de le faire en one go. Donc, là, ce que je vais faire, c'est. Merde. C'est pas ça que je vais faire. Ah, je peux pas save. Merde. C'est pas grave. Je vais. Voilà, je vais essayer de raise ça au maximum le plus rapidement possible. Mais je pense que ça va être chaud là, parce que mon héros il est un peu particulier. Alors, attends, à chaque fois que je joue un sort, ça va me soigner. Tu vois là, je me fais soigner, mais je comprends pas pourquoi. Attends. Cast spell. Donc on peut partir du principe que. Deux secondes, je suis en train de bugger. Tac. On peut partir du principe que à chaque fois que j'attaque, c'est comme si je jouais un sort là. Parce que là, regarde, toutes les 1,2 secondes, ça me soigne. Peut-être que j'ai même pas besoin de faire un sort. Ça me soigne. Regardez. Ouais, ça, regarde, ça met full life. Donc à chaque fois que j'attaque, donc en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est augmenter mon intelligence à fond et attaquer vite, quoi. Écoute, on verra bien. Donc je vais me soigner donc de 1,3 mon intelligence. Donc là, ça me soigne de 60 points de vie, en gros. Ok. Et toutes les. Ah, bon, en fait, faut que je raise à fond mon intelligence, tout simplement. C'est très simple, la vie comme ça. Donc là, il faut que j'apprenne la raccourci, c'est L. Ça, c'est pillage. Tac. Pillage, je le prends, donc ça me permet d'avoir beaucoup de gold dès le début. Et je crois que je vais essayer de prendre cet item ou un truc similaire le plus rapidement possible. Parce qu'il me faut un truc qui me file des PV quand même. Regardez.
On va voir comment ça va se passer. Là, ça va, je peux gérer le duel. Comment ça se passe si je fais un hit and run à lui? Ouais, c'est une attaque sur deux. Je suis soigné. Ok. Ok, bon, alors on a vu que ça commençait à être chaud. Donc je pense qu'il va falloir que je sais pas, que je prenne un sort. En fait, attends. Ce qu'on va faire, c'est. On va lire ça. Ah putain, on peut pas. Merde. Bon. Alors, je suis désolé, parce que c'est vrai que j'ai pas présenté la map. Donc là, en fait, il y a des objets achetés ou des sorts. Le bois, en gros, ça sert pour acheter les sorts. Et le gold, ça va servir pour acheter les objets. Sachant que, vous l'avez vu, j'ai un magasin où je peux acheter du bois ou de l'or. Comment je fais là? Parce qu'il ne me reste que 4 secondes pour faire un truc. Je vais augmenter mon pillage. Non, je vais augmenter mon intelligence. C'est là. J'espère que je vais pas me faire buter là. Ah ouais, là tu vois. Bah, tu vois, je vais peut-être perdre là-dessus. Je me suis fait buter. C'est dommage parce que je peux pas save. Bon, vous savez quoi? On revient. Bon, rebonjour. Du coup, je vais relancer la game. Tac. Voilà, on reprend Maï. Je connaissais une vietnamienne. Bon, bref. On reprend Maï et on est reparti. Bon. Alors, vous l'avez bien vu, le truc, c'est quand elle joue un sort, son Wisp va lancer. Tu vois, il doit pas être anglais, le type, parce que c'est moi qui ose clasher un anglais, tu vois. Enfin, bref. Parce que je pense que Air Wisp, il y a trois Wisps autour de. Et en plus, c'est quand il joue un sort et quand il attaque, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui cloche pour moi. Per level special spirit of undying. Bon. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais augmenter mon pillage à fond. Et. Je vais augmenter mon pillage à fond. Tac, tac, tac. Je fais ça pour avoir le maximum de gold dès le début en fait. Et après, il faudrait que je trouve un petit sort que je pourrais utiliser, tu vois. Inferno 30. Un petit spell, tranquillou. Je me mets dans le coin en fait, là, le temps de chercher un truc. Faut que j'améliore au moins un sort. Je réfléchis auquel. Parce que là, vous l'avez bien vu, je me suis fait défoncer par les acolytes. Ou alors, il faudrait peut-être un sort automatique. Mais j'ai l'impression qu'elle se soigne déjà toute seule, c'est ça en fait qui me turlupine. Réfléchissons. Trouvons un sort. Je pense qu'un serment comme ça pourrait être bien. Et encore, je suis pas sûr que. Bon, déjà en attendant, hop. Pillage niveau 8, c'est très bien. Je fais un sort que je peux utiliser. Je pense que ça va être le serment. Hein. Serment. Et encore, le truc, c'est que j'aurais pas assez de points de vie, moi. Il faut que j'achète un item. Ça serait bien que j'ai ça, là. Je puisse acheter ça. Niveau 3, il faut 2500 gold pour pouvoir acheter ça. Est-ce qu'il y a un truc sinon similaire qui me donne un peu des stats parce qu'il me faut des PV? Ça augmente mon intelligence. Donc mon héros, il lui faut beaucoup d'intelligence. Donc ouais, il y a le truc de godesse. Ouais, je comprends ça. Éventuellement, c'est plus cher. Bon.
C'est quoi ça? Non. Non. Ça va? Donc ça coûte combien ça? Il était là. 2006, 2005. Ok, alors juste pour voir. Eh non, je peux pas maintenant. Voilà, on va rester comme ça. Tu vois, je veux pas aller plus loin et je veux voir si au prochain coup tu pourrais acheter le truc du Godess. Tout à l'heure, je suis mort à la vague 5, je crois. 5 ou 6. Ce que je peux faire. Vous savez quoi, on va faire un truc. Je vais essayer de raise jusqu'au maximum le pillage là. Je vais sauvegarder à chaque vague en fait. Parce que maintenant j'ai mis en mode solo. Du coup je peux sauvegarder, enfin faire des chargements, ainsi de suite. Et je vais voir si je peux. Comment je peux faire? Voilà, mine de rien, on peut se planquer pour pas que le mec il nous vole. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je ferai les 10 clés du succès en stratégie à Custom Hero Survival? Je disais, mon ordinateur il fait un bruit de. C'est un avion de guerre. Putain, mais je me dis, sur un Windows 95, j'arrivais à faire tourner Warcraft 3 à l'époque. Mais depuis qu'ils ont mis l'application Paynet et tout, c'est vraiment devenu. Laisse tomber un gouffre énergétique, le truc. Et donc j'ai fail en fait. J'ai fail. Alors déjà là je vais sauvegarder. Hop. SS. Ce toi mais probablement en Asie. Bon bref. Tac. Voilà, tu prends le pillage. Niveau max, ma gueule. Et je vais voir est-ce que là je peux être niveau 16 tranquille. Je la gère ou quoi? Elle bouge vite. Hein. Oh putain, ben là vous voyez ce qui se passe. Il y en a qui ont des spells. Et les spells, bah, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc je vais load. Nous revoilà, du coup j'ai load la game. Donc on a vu qu'on s'est fait bousiller par une banshee. Donc ce que je peux vous proposer, c'est le sarment là, il est où? Non mais attends. Bah, écoute, on va revoir comment ça se passe. Pascal. Limite, faudrait que j'arrive à esquiver cette shockwave. Voilà. C'est chaud. Ah non, c'est chaud. C'est chaud. Tu peux y arriver, je pense, hein, pas moi. Nous revoilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, il faut que je prenne un truc du style sarment. Voilà, c'est là. Ensuite, je vais là. Presque. Bon, là, j'ai le sarment. Ok? Ah ouais! Tu vois, j'ai pas fait exprès de l'esquiver, mais c'est trop compliqué. Ah, ok, donc là, j'ai eu le fameux Wisp qui m'a soigné. D'accord. Ok. Alors, on a essayé avec le sarment, ça a pas très bien marché. Tu sais que ça, c'est rigolo, ça. Corrupted Mind. Merde! Tu vois, regarde, banish. En fait, ça lance un spell. Lightning Shield. Ça lance un spell et tu sais pas, et tu sais pas ce que ça va être. Je suis un enfant rigolé tout seul, hein, je sais, mais bon. Alors là, est-ce que en courant, je vais esquiver ça? Inner Fire. J'ai toujours pas attaqué, j'espère qu'il va pas me faire sa wave. Ah ouais, non. Bon, écoutez, on va. Allez. Je vais reprendre le Corrupted Mind. Parce que nous avons bien rigolé. Je pense qu'il faut que je prenne un truc pour les PV aussi. C'est là. 1, 2.
Déjà là, tu vois. Voyez, c'est un peu différent là. Ouais, ça va. Là, je suis mieux là. Holy light. Ouais, c'est vraiment rigolo ce truc, hein. C'est un sort au pif. Écoutez, je crois que j'ai trouvé là. J'ai trouvé la clé du succès là. Et là, tu fais pillage à fond. Avec ça, t'es bien, hein. Avec ça, t'es bien, ma gueule. Et ouais, du coup, je sais pas, elle a la lifeline ou quoi? Il se passe un truc étrange avec cette femme. Allez, autrement un peu. Attends, attends. Ouais, il faut que je fasse des spells. C'est la merde, là. Ils sont costauds, ces petits batraciens. Putain, mais mon gars, c'est pas ça, moi, qu'il me faut. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, bon, écoutez. On réessaye. C'est bon. Bon. Alors, je prends ça. Il faudrait que je prenne un deuxième spell aussi. Je pense que Sarment, c'est pas mal. C'est où déjà? Putain, je suis trop long. Je suis beaucoup trop long. Alors, vous savez quoi? Je pense que j'ai trouvé. Il faut que je prenne les flèches. Tac, tac, tac. Je prends pillage x3. Je prends un truc de vitalité là. Merde, c'est où? Non, c'est. Putain, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, les flèches, ça va faire que j'attaque. Et ça va me soigner aussi, logiquement. Ouais, c'est bon, ça me soigne. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Ça me soigne aussi, logiquement. C'était chaud. Encore une victoire pour Canard. Bon, arrête, connerie. Alors. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc là, je vais augmenter mon pillage à fond. Et je. Voilà. Là, j'ai fait niveau combien? Niveau 1. Tu vois, juste niveau 1, c'est bien. Ça me permet de. Bah, d'avoir ça d'actif. Et contre les boss, c'est pas mal. Ah, je sais pas si. Ouais, non. C'est pas suffisant. Ça fait combien de PV? Faut que j'achète des tomes d'intelligence pour que je fasse un truc. Tu vois, là, peut-être. Ouais, c'est parti. Alors. Ah merde! Il se passe quoi là? J'ai fail! Oh, tu me soignes ou quoi là? J'ai fail là, mon gars. Putain, je me dis pas que je dois recommencer. 1. Comment? Attends, comment tu peux t'y prendre là? Bon. Du coup, j'ai fail. Allez, on refait une petite essai, on sait jamais, peut-être que. 1,
Bon, j'ai un soin de 60 PV tous les X temps. Je peux y arriver, mine de rien. Surtout s'ils m'attaquent pas tous. Ouais, non, c'est chaud. Je vais devoir restart. Hein. Fait chier. Je vais devoir recommencer. Bon. Comme vous le savez, c'est la merde. Tac, tac, tac. Allez, May, on compte sur toi. Bon. Alors, j'ai pris tout à l'heure, j'ai pris un sang en spell automatique. C'était peut-être mieux de prendre, je sais pas, la flèche noire. Non, je pense que c'est mieux ça, parce que contre les boss, etc., c'est fort. Ou tu vois, peut-être qu'il me faut un truc comme ça, en fait. Il n'y aurait pas un truc automatique. En fait, ce qui est bien, c'est que ça va faire des trucs permanents sur mes ennemis. Alors ça, je le fais une fois, puis c'est tout. Donc c'est pas incroyable. Frost Armor. C'est bien Frost Armor aussi. Bon, écoute. Je vais réfléchir. De toute façon, là, je vais save à chaque fois. Je vais save à chaque fois à partir de la ronde 5. Je vais save à chaque fois à partir de la ronde 5. Donc ça, il me faut un cadavre. Ça, il faut que je tue un mec. Ça, c'est pour les ranges. Donc, ouais, il y a bien un truc. J'ai mes wisps qui me heal, comme ça. Putain, ouais, et je commence déjà avec des ennemis qui ont des sorts. J'en reviens pas. Je vais pas me faire buter maintenant. Putain, là, si je meurs, ça va enfin. Voilà, bah écoute, c'est la première fois depuis que je joue à cette game que je me fais buter comme ça. Round 2.